Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais essayer de vlogger comme je peux puisque on va filmer le concours Web Horse Show avec Pearlette. Donc voilà, là ce matin il est 9h20, je suis déjà prête mais j'ai des petits trucs à faire en famille ce matin donc voilà. J'essaye entre temps de préparer mes affaires. Ça fait genre une demi-heure que j'ai cherché chez moi ma ceinture et tout, j'ai pas trouvé. Donc je croise les doigts pour que ce soit chez mes parents. Sinon je suis dans la merde et voilà. Donc voilà, let's go pour une petite journée de concours vidéo à la maison. Voilà le licol de chaud de la bête. Donc je vais le mettre sous la véranda, bref, je vais vous raconter ma life. Je le mets sous la véranda avec mes autres affaires pour que comme ça, je ne cherche pas partout tout à l'heure. Voilà. Donc je continue de préparer mes affaires, je suis désolée la vidéo elle va peut-être pas trop avoir de sens parce que je fais plein de choses en même temps ce matin, bref. Du coup là vous avez mon licol de chaud qui est prêt, dans le sac de couverture en fait c'est mes pads de chaud, je vais en mettre que un seul mais bon tant pis j'en mets la totale. Donc je vais mettre le noir et bleu turquoise et vous avez mes chaps ici. Et là donc mon sac avec mes jeans, mes hauts. Et je vais chercher ma chemise et ma veste. Voilà, rassemblement des affaires terminées. Donc dans la petite housse rose, il y a donc ma chemise de ranch avec le petit gilet noir que je mets par-dessus. Ma veste de tailleur pour le show. Et ma boîte à chapeaux, donc avec mes différents chapeaux et mon collier pour le cheval chien. Voilà, tout ça c'est prêt. Moi je vais aller manger. Et puis après, on va aller aux écuries, commencer à préparer la carrière. Et puis voilà. Prends comme ça. Du coup là, je vais manger. Après, on va aux écuries. Parce qu'aux écuries, il faut qu'on vide la carrière de tous les obstacles qu'il y a dedans. Donc voilà, un petit peu de boulot. Donc voilà, vider la carrière, la grande carrière. Préparer la jument. En soi, j'espère qu'elle est pas sale. On verra bien, ce sera la surprise. Préparer la jument et puis je vais attaquer par l'épreuve de showmanship parce que c'est à pied et puis ensuite on fera l'épreuve montée. Voilà, no pressure. Enfin, j'arrive pas à fermer les portes aujourd'hui. Allez, c'est parti, à table. 14h10, 14h15, on part avec monsieur Pic. On part direction les écuries. Voilà, voilà, ça se concrétise, les gars. Et vous allez vous moquer un petit peu de moi là, mais j'ai un petit peu le stress du concours, vous voyez. Alors que pourtant, on fait ça aux écuries tranquille quoi. Mais voilà, un petit peu tendu la dame. Non mais allez, ça va bien se passer. C'est juste qu'il fait 25 degrés, que je vais courir dans la carrière noire. Je vais être rouge quoi. Voilà, vous allez pouvoir m'admirer. Voilà, avec mon père, on est en train de débarrasser toute la carrière. Il nous reste ça. Et puis lui, là, bah, il fout rien. Bon, mon père est en train d'installer les plots pour le showmanship. Moi, je suis en train de ruisseler. C'est un truc de fou. Il fait une chaleur à tomber dans cette carrière. Bref, voilà. On monte le parcours. On a tout débarrassé. Et puis voilà, on va aller préparer la bête après. Voilà, quand je dis que je ruisselle, c'est que je ruisselle, je brille de mille feux. On va se laver les mains parce qu'on a les mains noires. Et on va amener Pearlette là-bas pour la préparer là-bas. Et on va commencer tout ça. Elle est là, regardez. Coucou! Et elle est propre. Oui, elle est propre. Ah, je suis rouge, déjà. Et c'est que le début. Pearlette du club. Bon, je vais me laver les mains et je vais attacher mes cheveux parce qu'avec le chapeau, sinon ça va être une catastrophe. Et voilà, je suis dégueulasse. Et c'est que le début. En fait, elle est pas hyper propre. Elle m'a fait un cadeau empoisonné. Bye.
gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon. Give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life on you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon. Bon bah petit débrief de cette vidéo, comme vous avez pu voir, vous avez vu la préparation de Pearlette, le pattern de showmanship, le pattern de ranch riding, je l'avais dit sur Instagram mais je sais pas si tout le monde me suit sur Instagram, donc je le dis. On avait le droit de faire autant d'essais qu'on voulait et d'envoyer la meilleure vidéo forcément. Pour le showmanship, il faut savoir, j'ai juste fait deux essais et c'est donc la deuxième vidéo que j'ai envoyée.
La première, j'aurais pu l'envoyer, c'est juste que le départ au trot était pas assez net et ça me plaisait pas. Voilà. Et le ranch riding, on a bien fait 5-6 vidéos, je suis gentille quand je dis 5-6. Ce qui à un moment donné, je sais plus, je pars au trot, ça part pas, bref, j'ai mon père coupe. Donc voilà, 5-6 vraies vidéos du pattern entier. Et au final, j'ai envoyé la première vidéo, donc le premier essai que j'avais fait. C'était celui qui me plaisait le plus. Donc là-dessus, je suis assez contente. Franchement, j'ai pas fait 36 000 vidéos. Donc ça, c'est très bien. En plus, j'avais mon petit fan club qui était là avec des supporters d'un petit peu partout et tout. Donc ça m'a fait super plaisir. Il y avait mes parents qui m'ont beaucoup aidée. Puisque mon père a tenu la caméra et ma mère aussi d'ailleurs. Ma mère a filmé le parcours de showmanship et mon père a filmé le parcours de ranch sous cette chaleur géniale. Donc voilà, un gros merci à tout le monde. Normalement, les résultats, c'est autour du 15 juillet, donc incessamment sous peu. Vu que la vidéo va sortir, on sera le 12 juillet. Donc voilà, affaire à suivre. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Et au final, ça fait aussi du bien de se mettre en condition de concours à la maison. Parce que quand on monte nos chevaux à la maison en entraînement et tout, bah tout se passe entre guillemets toujours bien. Et là, ne serait-ce que d'avoir le tapis de chaud, les chaps, machin, waouh, je me suis mis en mode concours les gars, égale stress, égale trop de perfection tue la perfection. Donc voilà, tout ça c'est à travailler et c'est top parce que ça permet de travailler ça sans le son du manège et tout ça, tout ce que Pearl aime. Enfin voilà. Pour le petit résumé, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très vite.